Du coup, on va attaquer maintenant, je pense, la partie, le cœur du sujet, comment se soigner. Je pense qu'on va centrer le sujet sur comment soigner l'alopécie androgénétique. Alors déjà, je vais voilà, te poser la question un peu vision hélicoptère. Quelles sont les différentes possibilités pour se soigner quand on souffre de chute de cheveux? Déjà, je dirais que le plus important, c'est la base, c'est le diagnostic. En sachant que ce n'est pas le diagnostic le plus difficile, puisque on a mis sur le site charles.co des schémas de façon assez classique, et cette perte de cheveux, ce graphisme en fait, de perdre au niveau des golfs et au niveau de l'arrière, fait qu'en général, le patient sait à peu près déjà faire son propre diagnostic. Mais quand même, toujours important de remettre les choses dans son contexte, hein, on traite un diagnostic qui a été établi pour justement avoir encore moins d'idées reçues. Une fois qu'on a fait ce diagnostic d'alopécie androgénétique, la règle, c'est de traiter le plus tôt possible parce qu'aujourd'hui, les résultats, même s'ils sont bons, si on consulte trop tard, ils vont être moyennement satisfaisants pour les patients pour avoir une repousse du cheveu, enfin une repousse conséquente des cheveux. Et donc, au moment où on voit qu'on a des cheveux qui deviennent plus fins mais qui sont présents, c'est plus facile pour le traitement justement de les refaire s'épaissir, ce qui donne l'impression d'avoir plus de cheveux. Par contre, quand le cheveu est détruit, c'est souvent plus compliqué d'en faire pousser d'autres. Donc finalement, l'important, c'est quand même de faire un traitement tôt, surtout si on est gêné. C'est-à-dire que si on n'est pas gêné, il y a deux questions que je pose à mes patients, c'est est-ce que vous êtes gêné, pas gêné? Et la deuxième question, surtout s'ils sont jeunes, si dans 5 ans, si dans 10 ans, vous vous retrouvez avec une grosse calvitie, est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous êtes capable d'assumer ou non? Pour avoir une projection. Parce qu'il y a des gens qui vont consulter plus ou moins tôt. Donc quelqu'un qui va consommer, qui va venir tôt, va pouvoir te dire, bah, je ne suis pas trop gêné. Et en général, il vient pour d'ailleurs un autre motif. Mais si tu lui poses la question, si dans 5 ans, ce que je ne peux pas vous dire, mais si vous vous retrouvez avec une calvitie, est-ce que vous assumez ou pas? S'il te dit bah, franchement non, eh ben, tu lui diras bah, je vous conseille de débuter tôt le traitement parce que c'est la meilleure façon de pouvoir repousser l'échéance de 5, de 10, de 15, de 20 ou 30 ans. Ensuite, dans les traitements, il y a plusieurs niveaux de traitement. Les shampoings anti-chute, de mon point de vue, dans cette indication-là, ça ne fera pas de mal, mais ça n'a pas de sens. La deuxième chose, les compléments vitaminiques, ça fera pas de mal, mais on traite pas la cause de l'alopécie androgénétique. Donc on peut traiter éventuellement s'il y a une cause associée, ou éventuellement ça peut être intéressant si on a des cheveux un peu fragiles et donc on va les renforcer, mais on jouera pas sur la cause dont on parle depuis le début. Du coup derrière les traitements, c'est soit en solution, ce qu'on appelle le minoxidil. Qui est un actif local, qui est un perturbateur en fait de cette transformation, notamment des hormones androgènes dont on parlait au début, ou alors le médicament par la bouche, le finastéride, qui lui va faire la même chose, mais cette fois-ci par la bouche. C'est pas la même molécule, mais le mécanisme d'action est le même. Et puis ensuite, on va avoir des techniques dites esthétiques, qui pour le coup, seules ne servent à rien. Mais qui ont leur place dans un traitement d'accompagnement, donc pour aller plus loin des effets qu'on pourrait avoir avec ces deux seuls traitements qui sont reconnus comme efficaces, minoxidil en local ou finastéride par la bouche. Et donc ces traitements dits esthétiques, c'est la mésothérapie. Donc l'idée, c'est on a des complexes vitaminiques synthétiques de synthèse qui sont mis dans des petites fioles qu'on met dans des seringues et de manière très très superficielle. Avec une aiguille, on va les injecter. Mais en fait, on ne fait pas de piqûre. La mésothérapie, justement, on a soit un petit pistolet, soit on prend une aiguille. Et en fait, avec l'aiguille, je vais venir effleurer. Et en effleurant, on va faire des mini-mini entailles dans le cuir chevelu. Donc, c'est pour ça que ça fait pas mal. Et puis, par cette petite effraction de la peau, en même temps que tu vois, je griffe un peu, ouais, c'est griffé en fait avec l'aiguille, j'injecte en surface et l'eau, le liquide, va rentrer en fait par ces petites effractions pour aller stimuler, c'est des facteurs de croissance qui vont stimuler les cheveux. La même chose
mais en version plus naturelle, c'est ce qu'on appelle le PRP, OK. qu'on voit maintenant beaucoup. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu de prendre des complexes vitaminiques synthétiques, je fais une prise de sang au patient, je centrifuge son sang et je prends la partie en fait solide qui est remplie de facteurs de croissance et je vais l'injecter de la même façon, c'est-à-dire de manière très superficielle. Et puis après, on a maintenant des choses un peu avec des machines, l'hydrafacial, qui est en fait le même principe. C'est-à-dire, j'ai un petit instrument qui vient absorber dans le follicule, dans le tunnel du cheveu. Il enlève en fait le sébum et va injecter un petit peu des facteurs de croissance à l'intérieur. Et puis, la dernière chose, c'est la greffe de cheveux, mais je pense qu'on en parlera un peu Ouais, plus en détail. ok, bah merci pour cette vision synthétique.